Vous avez suivi tout dernièrement sur le plan politique la conférence de presse de Monsieur le Premier ministre. Donc c'était hier soir je crois. La conférence de presse, si vous l'avez bien suivie, l'essentiel était axé sur nous, partis politiques. Le Premier ministre a balayé d'un revers de la main tout ce que nous avons proposé, sans donner d'arguments valables, d'arguments solides, que c'est une fuite en avant et qu'ils n'ont pas l'intention d'organiser des élections. Et qu'il n'y a pas de volonté politique. Chers militantes et militants, nous tenons à vous informer qu'il n'y a pas une once de volonté politique derrière tout ce qui est en train de se tramer au niveau du gouvernement guinéen. C'est pourquoi, rapidement, nous demandons le retour rapide et apaisé, il faut ajouter ce mot qui est important, à l'ordre constitutionnel, dans les délais, et nous maintenons ce délai qui ne reste plus que 7 à 8 mois et qui est gérable s'il y a la volonté politique. Donc, mais bien avant tout, nous exigeons l'arrêt des poursuites judiciaires contre les acteurs politiques et de la société civile. Le retour en liberté et en toute sécurité des leaders des partis politiques et sociétés civiles en exil. La libération des leaders politiques malades afin de bénéficier de soins appropriés dans les pays de leur choix.